Je ne pense pas que ça prenne trop de temps, 2 jours, peut-être une semaine au maximum.
ça dépend vraiment des rages de résistance qui vont subsister Channel. Soit le régime va s'effondrer totalement, soit on fera passer des petits groupes fidèles au système, même après la chute de Kadhafi. L'OTAN fait un boulot formidable. On travaille en liaison permanente avec eux. C'est vital pour nous. Leur soutien aérien et la stratégie qu'ils ont élaborée pour que les révolutionnaires puissent prendre Tripoli. Ça brûle moins vite. Le couteau à la mitraillette, c'est Adam. Son gabarit l'empêche de courir devant, alors c'est lui. Je suis né à Tripoli, mais j'habite aux États-Unis. Je suis étudiant, double master en sociologie et psychologie. Je me bats pour vivre dans une Libye libre. C'est ici que je veux avoir mes enfants, dans une meilleure Libye. Moi, j'ai grandi aux États-Unis, et quand on demandait « Et où toi ?», je répondais « Libye ». Les gens disaient « Ah, Kadhafi !» Sam, l'Irlandais. Hatif, le rappeur. Adam, l'Américain. Ils ont tout laissé pour mener la révolution. Mais tous n'arriveront pas en vie. Gare, ma date de naissance, si le 2 août 1900. Les hommes défilent devant la caméra pour la postérité. Un quart d'entre eux va mourir. Ça, c'est la conversation qu'on a eue. J'enlève les détails, là, mais... Le lion, c'est l'emblème du groupe. À l'arrière de la colonne de pick-up, les médecins et les ambulances. Pour eux aussi, la journée sera longue. C'est le champ de départ. Écoutes-tu la nouvelle au 10? Sam remonte la colonne des 70 véhicules de la Katiba Tripoli. Hatif transmet les ordres. Ça, c'est la France. En tête du convoi, le canon tonne déjà. En gilet noir avec son la Katiba Tripoli, c'est son idée. Regarde. Il y a 6 mois, les Bolivien faisait la classe à 40 jeunes britanniques. Pour le premier accrochage, il commandera la manœuvre depuis l'arrière. C'est pas juste des nouvelles. Il y a TV5 qui était là. Ils sont plus là. Avant de gagner les voitures à découvert, il faut s'infiltrer à pied par les côtés de la route. C'est la mission de ce groupe. D'évidence, ils sont entraînés et bougent comme des professionnels. Sur un terrain là-bas, sur ce perchoir, ils pourront guider les combattants. Les mutines chantent les sourates du Coran pour les combattants de la Katiba Tripoli. Comme le reste de mon stade. En face, les tirs des mitrailleuses kadhafistes donnent la cadence. Et sur la route, les voitures de la Katiba refluent. Ah, je voudrais prendre une photo de toi. Ça marche pas. Tu es plus grand. Ben, ce sont mes photos en négatif. Tu veux te joindre à nous? J'ai environ 2000 photos. Tu peux passer voir si tu veux. Sont à moins de 2 km d'ici. Dans la route, sous le feu, les renforts arrivent.